J'en ai vraiment marre de régler ce putain de téléphone. Vivement que je m'achète une bonne caméra, sa mère. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. On va tout simplement réagir à un world record sur ma map edit, GX Edit. Alors le mec est en tête du classement depuis quelques jours et personne n'arrive à la rivaliser. Et si vous depuis chez vous vous voulez rivaliser le meilleur joueur ou essayer de gagner un clavier ou 50€ PayPal, il faut réaliser tout simplement la map edit le plus vite possible et poster la vidéo sur YouTube avec le hashtag GX Edit dans le titre et le temps au chrono dans le titre. Sans oublier de mettre mon code créateur dans la boutique d'objets Fortnite, très important les amis. Vous allez dans boutique d'objets, soutenir un créateur et vous marquez GX le slime. On est à présent à plus de 1000 soutiens avec mon code créateur, merci infiniment à vous. Vous pouvez tous vous applaudir les mecs. On vise maintenant les 2000 soutiens, je pense que c'est réellement faisable. Donc mettez tous mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Code GX le slime. Voilà, c'est très simple. Le code s'affiche actuellement à l'écran, c'est exactement le nom de ma chaîne YouTube, donc allez-y. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est très important, on vise les 200 000 abonnés, donc abonnez-vous tous les amis. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, on va passer tout simplement sur YouTube pour voir la vidéo du mec qui a le world record. Ok, on se retrouve donc sur YouTube. Alors qu'on marque hashtag GXEdit, on a déjà beaucoup de vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui jouent le jeu. Ça me fait vraiment sincèrement très plaisir que je vois que vous essayez de faire la map. Même s'il y en a qui savent d'avance qu'ils ont perdu, au moins ils font la map. Ça me fait vraiment super plaisir, c'est une petite attention. J'essaie de regarder chaque vidéo. Et au passage sur tous les lives, donc n'hésitez pas à live avec le hashtag GXEdit dans le titre et faire ma map en même temps. Merci beaucoup les gars. Alors la vidéo, c'est tout simplement la vidéo de Jan. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on peut voir qu'il a mis 16 minutes 49, ce qui est vraiment très bon de sa part, parce que vous pouvez voir que ça tournait autour des 16 et quelques, mais lui il a vraiment défoncé tout. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir tryhard la map. On va regarder ta vidéo tout simplement. Bah voilà, maintenant, dès maintenant, on va mettre le casque. On va prendre nos précautions. On va mettre le casque qui est actuellement cassé. Je sais pas si ça se voit, mais il est cassé ici. On est parti les amis. Oh, j'ai failli faire tomber la bouteille d'eau. Ok, 3, 2, 1, go. Ok, donc basique. Déjà personnellement là je me tape plusieurs fois dans les objets. Mais lui il arrive à bien gérer. Je sais pas si c'est copyright, ta musique bouge pas. Du coup on va regarder sans le son, dommage. D'accord. Ok, donc on peut voir que c'est vraiment très fluide. Enfin genre il se cogne dans rien du tout. Google, ok Google, regardez il y a ok Google là, j'en ai marre. Ok Google, arrête-toi. Il m'a parlé en plus, c'est de la provocation. Bon, on regarde sa map parce que je pense qu'on a loupé plein de choses. La descente très fluide. Personnellement, je me rate beaucoup de fois avant de faire une bonne descente. Mais là, on peut voir qu'elle est très fluide. Ok, donc là, il s'est boost avec si peu. What the fuck. Il s'est boost avec si peu. Là, il fait des dits de 3 de hauteur. Ok, donc un petit boost. Et là, il se reboost en montant. Ça, j'avais jamais vu. J'avais encore jamais vu. 90, bah vraiment fluide. Je pense que les 90 c'est vraiment un truc à bien gérer. Sinon vous allez perdre pas mal de temps. Donc il monte. Ok, donc les 90 qui sont assez fluides. Par contre lui il rajoute un dernier escalier. Vous pouvez voir qu'il rajoute un dernier escalier avant de repartir en 90. Personnellement je n'arrive pas à faire ça. Je sais pas vous, mais moi je galère vraiment à faire ça. Je suis actuellement sur ma 4G et je bug alors que je paye 40 balles par mois. Ok, alors donc, oh, ah non, ok, il s'est même pas fail, c'était directement devant le truc. Donc, soit il a bien anticipé, soit il avait vraiment de chance. Mais je pense qu'il a bien anticipé parce qu'il a dû la trahir de la map. Donc, je pense que c'est vraiment le world record. Par contre, on va pas faire une vidéo comme ça là, c'est quoi ça? Ok, go. Mais, attends. Il y a encore Google! Bah du coup toujours assez fluide. On va voir s'il se fail une fois. Ok, il s'est fail une fois mais il a vite rattrapé. C'est bien joué de sa part de pas paniquer une fois qu'on fail. Juste reprendre comme si de rien n'était. Ok, il a pas été déconcentré du tout. Très fluide. C'est vraiment ce qui, enfin ce que j'avais conseillé de faire, c'est de le prendre en diagonale. Là ok, ah il est dit comme ça alors que c'était censé d'être, enfin c'était censé être l'autre côté. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est légit ou pas. Moi je pense que c'est légit quand même, c'est un peu, c'est vraiment le même principe. Ok, donc là ouais j'aimerais bien voir ce qui est le plus rapide ici, parce que c'est vraiment un truc de gros galérien ici. Vraiment je suis désolé d'avoir fait un truc aussi compliqué. Là il est vraiment super fluide, je sais pas comment il fait. Je ne connais vraiment pas le bon timing pour descendre ici. Là il fait des 4. Ok, donc en 4 c'est sûr qu'il se cognera pas, c'est sûr.
Donc il avance. Ok, et là ici, est-ce qu'il va se fail? Parce que je sais que ça c'est très perturbant. Il faut vraiment être assez précis pour ne pas se fail. Ok, donc il a le temps même de se reboost. Donc GG. Double edit. Ok. Là, j'allais dire, si là vraiment il réussissait à faire ça, c'est vraiment qu'il était vraiment genre ultra perspicace. Mais là, du coup, il a fait une fois. Il a pris deux pompes. Il a pris deux pompes, c'est ce que j'avais recommandé de faire. Et il est dit tout. Et ensuite, il tire. C'est, je pense, le plus fast. Réellement, c'est le plus fast. Donc, hop, fais gaffe au reload, mec. Ok, c'est bon, il a fait gaffe au reload. Est-ce qu'il a oublié? Ah, 16-49, GG gros. Est-ce qu'il a oublié un petit carré? On va voir ça tout de suite. Je crois, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que je dis de la merde. Ok, donc c'est parti. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4. Ok, non, j'ai rien dit. Parfait. Il y a juste les petits cônes qui sont tout simplement juste ici. De base, en fait, il faut edit comme ça, et là, il edit comme ça, mais après, je pense que c'est un peu le même principe. Enfin, en fait, il edit aussi, moi, je trouve que c'est à peu près pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, les amis. Et sinon, après, le reste est vraiment très fluide. Donc, GG à toi, gros. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et on peut voir aussi qu'il y a un engouement derrière ça, parce que, regardez, les vidéos des gens les plus forts, et il y a plus de vues que, logique, en fait. Il y a plus de vues. Et se dire qu'il y a un engouement et que les gens recherchent vraiment le meilleur. Donc, pour l'instant, c'est lui qui gagnerait les 50 euros. Enfin, faites ça. Attendez. Pourquoi, mec? Je viens de voir ma tête là, j'aurais jamais dû mettre ces putains de lunettes là. Putain. Pourquoi t'as fait ça, mec? Voilà, après on peut voir qu'il y a des gens qui sont à 16-38. Ensuite j'avais vu 16-30 et quelques, 16-44, mais c'était le même. Par contre cette vidéo c'est un troll, donc il est juste sorti de la map et puis voilà, il a fait le con. Donc c'est pas du tout un vrai record. Mais dites-vous une chose les gars, c'est qu'à partir de 16-20, 16-10, vous pouvez réellement persister et essayer d'atteindre le world record. Je suis désolé pour les joueurs qui sont sur console, je sais que c'est vraiment galère. J'ai des potes IRL qui essayent de le faire et qui vraiment y galèrent. Et je comprends totalement parce que c'est assez chaud quand même. De 1, la map n'est pas réellement adapté à une console, et de 2, le gagnant console, je sais pas s'il gagnera au moins. Mais je vais vous faire une petite confidence. La prochaine map edit qu'on fera avec Pixel Part, on fera tout simplement une catégorie PC et une catégorie console, parce que c'est réellement deux choses différentes, les amis. Mobile, après, si vous êtes chaud, c'est là sur mobile qui veulent essayer. Mais après, je pense que c'est vraiment galère. Je sais pas comment ils vont réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo réaction sur ce stage X. N'hésitez pas à aller faire la map. La map se trouve tout simplement dans la description. Donc allez-y, les gars. Amusez-vous bien. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était G. Profitez bien des vacances et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Merde.